Bonsoir mes frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Moi c'est le frère Eman. Je vais vous partager mon témoignage. Je suis né musulman, je viens d'une famille musulmane. Je vais vous partager ce témoignage qui m'a beaucoup marqué. C'est que je me suis blessé une fois au foot et je n'arrivais pas à guérir. Je suis allé voir des guérisseurs, je n'arrivais pas à guérir. Donc une fois, mon grand frère il m'a dit, viens, je vais t'envoyer. Je suis une dame qui est chrétienne. On dit qu'elle guérit les gens. J'ai dit, ok, je vais aller voir ce que ça va donner. Je me lève, je pars avec lui. Je pars à la prière. Elle m'invite le lendemain. Le lundi, je reviens. Je cause avec elle, tout ça. Elle me dit, mais tu as guéri mon fils. J'ai dit, non, je ne suis pas guéri. Elle me dit, je te donne 3 jours. C'était un lundi. Elle me dit, je te donne 3 jours. En 3 jours, Jésus-Christ va te guérir. Si tu n'es pas guéri en moins de 3 jours, ne crois pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. J'ai dit, ok, je vais voir. Le lendemain, m'a dit, je me lève, je pars à l'entraînement. Je suis guéri immédiatement. J'ai compris que Jésus-Christ est vraiment Seigneur et Sauveur. J'ai compris qu'il existe vraiment. C'est pour cela que je suis là ce soir à vous partager ce message. Vous dire que ne crois pas en Jésus comme en tant qu'un prophète, en tant que sauveur de l'humanité, hein, mes frères musulmans. Car Jésus-Christ vous aime. Il est amour Jésus-Christ. Cet amour qu'il a rempli en moi, c'est ce même amour qu'il peut remplir en vous. Il n'a pas changé, il ne changera pas. En Jésus-Christ, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai l'amour. Je suis heureux. Je suis heureux. Car je suis en Jésus-Christ, je suis heureux. Car Jésus m'aime. La même Jésus même, c'est pourquoi Jésus-Christ vous aime tous. Ne regarde pas en décision que tu vas prendre. Ne regarde pas parce que mes parents sont musulmans. Non. Tu peux prendre cette décision. Parce que quand tu meurs seul, mon frère, ma soeur. Quand tu meurs seul. Tu es jugé seul. Donc, mets ta confiance en Jésus-Christ, mon frère. Même le Coran annonce le retour de Jésus-Christ en tant que sauveur de l'humanité. Mais pourquoi ne pas croire en lui, mon frère? Pourquoi ne pas croire en lui, celui qui sauve? Et puis croire en celui qui ne te sauve pas, mon frère. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mets ta confiance en lui. Jésus est vivant, il est réel, il est unique. Il ne changera pas Jésus-Christ. Car il est vivant. Il est vivant Jésus-Christ. Il est vivant, mon frère. Il est vivant, ma soeur. Mets ta confiance en lui et tu verras de quoi il est capable. L'homme doute. L'homme croit aux choses de ce monde. Non. Le marabout ne peut rien faire pour toi. Le féticheur ne peut rien faire pour toi. Non. La seule personne qui peut garder ton salut s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne. L'homme va te dire non que il faut que tu pries matin, midi, soir. Tu as fait toutes tes 5 prières par jour, tes 4 prières par jour. Mais tu n'es pas sûr dans le paradis. Mon frère, imagine-toi un instant. Toi qui prie, tu es musulman, tu fais tes 5 prières par jour. Et celui qui vole, celui qui tue, vous deux, vous avez la même destinée. Mais pourquoi prier? Pourquoi prier, mon frère, ma soeur? Si c'est pour prier mes 5 prières par jour et puis aller en enfer, je refuse de prier. Je préfère être voleur, je préfère être tueur. Parce que je sais que je vais partir en enfer déjà. Ça ne sert à rien de prier. Crois en Jésus-Christ. Car il est amour. Il est Seigneur, il est Sauveur. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Car il t'aime Jésus-Christ. Il vous aime Jésus-Christ. Il est amour. Ne regarde pas en quelqu'un parce que c'est Jésus-Christ. Ne regarde pas à ton ami ni à ton frère parce que c'est Jésus-Christ. Non. Jésus agit même aujourd'hui. Jésus agit même aujourd'hui. Crois en lui, mon frère. C'est que je peux te dire, crois en lui. Mets ta confiance en lui. Accepte lui comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Passez une bonne soirée et soyez bénis dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ.